Hey les gens, il est Astronaute, c'est Emile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se fait hyper plaisir de faire cette petite vidéo pour une vidéo, les gens. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur Minecraft, même si c'est vrai qu'il y a un fond de gameplay Minecraft juste derrière moi. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour faire du Minecraft. Je pense que vous l'avez bien vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du PC Gamer dans cette vidéo. Je tiens juste à préciser que cette vidéo, je la tourne la veille avant que j'aille chercher. Chercher plutôt le PC Gamer, parce que bah, déjà vous pouvez vous douter que ce n'est pas le PC Gamer qui est derrière moi, c'est ma télé avec ma console. Mon dieu, la caméra n'a plus de batterie, c'est nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin le PC Gamer tant attendu sur la chaîne, enfin je pense, de la plupart de beaucoup d'abonnés et aussi de moi-même, parce que là je suis très pressé d'avoir ce PC Gamer. Actuellement, je ne l'ai pas. Alors vous allez me dire, mais Emile, c'est con que tu tournes une vidéo alors que tu n'as pas ton PC Gamer. C'est vrai. C'est vrai que... ouais, c'est con, c'est très con. Mais vous allez voir, en fait, c'est que actuellement, je suis en train de tourner ces vidéos. Il est vendredi soir, 17h à peu près, 17h. Je vais l'avoir samedi. De toute façon, je vous l'avais dit sur un post sur ma communauté que j'allais l'avoir samedi. Normalement, je le ferai apparaître là, quelque part. Et aussi, d'ailleurs, la photo que je vous ai montrée, c'est bel et bien. Déjà, la gueule du PC Gamer, ça sera celui-là. Ouais, effectivement, ça sera celui-là. Du coup, voilà, normalement, je vous reprends juste après... enfin dans cette vidéo juste après, une fois que j'ai le PC Gamer. Du coup pour moi ce sera bah, demain. Je suis assez dégoûté, si seulement je pourrais être assez rapide dans la vraie vie. Bref, du coup moi je vous dis bah juste à tout de suite pour unboxing du PC Gamer, enfin si on peut dire ça. Du coup à tout de suite, je suis pas à l'aise devant la caméra, bref. Allez, c'est parti. Aïe. Comment je peux vraiment commencer enfin cette vidéo? Je pense déjà vous avez eu maintenant bah, l'intro, et déjà je ne suis pas habillé comme avant. Mais c'est tout à fait normal, vous allez me dire. Parce que j'ai dû juste attendre en fait 2-3 jours de plus pour recevoir mon PC. C'est génial! Alors que je l'avais dit, j'allais recevoir le lendemain. J'avais tourné, je crois, mon intro vendredi, à mes souvenirs. Et là actuellement on est dimanche. Ouais, j'ai attendu à peu près 2-3 jours. Voilà. Je pense que je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ça me fait déjà plaisir cette putain de vidéo. Bon allez, c'est parti, je vous montre hein. Regardez-moi. C'est quoi de ce carton là? C'est quoi de ça là? Oh, ça y est, j'ai enfin mon PC. Ouais, je sais, bon. Je pouvais pas faire l'introduction en mode truc de ouf, explosion. Et vas-y là, en plus là je vais déballer le PC avec vous. Bah après surtout faudra que je le monte là, parce qu'il est déjà monté hein. Mais là, faudra que je le monte. Et de plus, et bah ce qui va se passer c'est que yes, et bah je sais pas, j'ai pas de suite à cette phrase. Il est con lui. Bon bah je pense on va passer à l'unboxing, non? Enfin, je sais pas. Ouais bon vas-y, j'arrête de faire durer plus longtemps. Je suis pas un bâtard jusqu'au bout, wesh. Bon allez, c'est parti. Ah oui, bien sûr, dans cette vidéo, je vous préviens, je suis sponsorisé par Maped MDR. Mais c'est de la merde. Non, en vrai, je rigole. Non, vas-y, c'est parti. Hop. Et hop là. Hop. Et hop là. Là, vous pouvez voir ce beau PC. Alors, ah oui, attention. Parce que je tiens juste à vous dire quelque chose. Avant que j'ouvre ce PC, quand j'ai su que, genre... là, c'était il y a à peine 2 heures, hein, ma réaction. Quand je suis arrivé chez le fabricant du PC, genre, ma réaction était un peu en mode comme ça. Et actuellement, dans ma tête, quand je aurai branché le PC tout ça, je serai un peu en mode comme ça. Bon, c'est vrai que c'est difficile de regarder droit dans la caméra chaque fois que je regarde en retour. Mais je pense pas que je devrais le mettre. Mais je le mets parce que j'ai peur que... bah, la caméra s'éteigne tout simplement. Je vais passer maintenant à l'unboxing, quoi, allez. Hop, hop, là. Alors oui, je tiens à prévenir, c'est pas la meilleure vidéo unboxing de l'univers. Alors tu juges pas, c'est... à peu près, ouais, c'est mon... c'est peut-être mon 3e unboxing ou 4e, je sais pas. Après, j'ai mon bel steak, tu vois. Non, je rigole, je m'en pas les steaks, hein. Je rigole. Là, franchement, tiens à dire que cette vidéo m'a coûté 1200 euros.
Bon bref, allez c'est parti. Comment je vais l'ouvrir? Ou plutôt comment je vais le faire sortir? Ah, je sais. Alors attends, déjà, les papiers, tout ça, on enlève. Et là, il y a le câble. Magnifique câble. Putain mais ta gueule. Mon dieu, cette vidéo, c'est un carnage. Vous croyez qu'il va se casser la gueule? Non, on pourrait croire. Mais regardez. C'est pas beau ça. Waouh. Attention, là c'est un peu une entrée à la mode Jurassic Park. Jurassic Park. Oh. C'est plutôt une introduction un peu à la mode Jurassic Park. Mais sauf que là c'est PC Park. Je sais pas. Là. Eh, on va le brancher dans cette vidéo, moi je vous le dis, hein. Je vous le dis, je vais le brancher. Alors. Voici déjà la gueule du PC. Bon, il est tout noir, hein. Eh, tu juges pas, c'est une petite trace. Oh, je pourrais vous faire de l'ASMR. Attendez. Ah, par contre, là, je sais pas le brancher. Ah, j'ai réussi à l'enlever. Hop, alors. Waouh. Oh my god. Alors, voici le PC dans sa splendeur. Et là, pour l'instant. Oh mon dieu. C'est mon premier, hein, je tiens à le dire. Mais. Genre je vois l'intérieur. Wow. Comme sur les youtubeurs. Est-ce que ça filme là? Ouais. Attendez, faut que je trouve le câble. Ah il est là, c'est vrai. Ah, je suis con. Eh, je vous fais un unboxing de tout. Là du PC et aussi des câbles. Attends, on n'oublie pas. Regardez-moi ça. Attends, focus s'il te plaît. Hop. Voilà, c'est fini. Non, je rigole. LOL. C'est drôle, hein. Oh, regardez-moi ça. Ça c'est ce qui va permettre de l'allumer. Je ne vous apprends rien. Là d'ailleurs, si jamais vous avez des techniques pour m'aider à ceux qui savent faire des unboxing, c'est m'apprendre comment je dois gérer, que ce soit la caméra, etc. Parce que je suis très nul. Ouais, pff, y'a rien de fait. Attention, 3, 2, 1. Pourquoi il mèche tout? Ah oui, c'est vrai. 3, 2, 1. Ha. Gay. C'est où là? Ah, mais je suis con. Power. 3, 2, 1. Regardez-moi ce PC de la mort. Eh, hey, je sens même le vent. Ah, oh, il est trop beau, wesh. Oh, yo. Hey, il est beau. Ouais. Bah, je pense, dans cette vidéo, je crois que... Bah, je vais quand même vous donner les composants, hein, parce que là, je vois les trucs que j'ai achetés. Et franchement, c'est tout de malade. Du MSI et tout. Bon, bref, sans plus attendre, je vais vous montrer. Enfin, je pourrais pas vous montrer, mais je pourrais vous dire déjà les composants qu'il y a. Alors, pour commencer sur ce PC... Ah bah oui, parce que... Moi, étant un youtubeur très investi dans mon travail, je connais déjà tout de tête. C'est pour ça que je n'ai absolument pas de feuilles. Oh. Alors par contre, vu que c'est la première fois que j'ai un PC gamer, tout ça, bah comment dire, quand c'est les références, moi je dis tout. Dès qu'il y a plus machin, bah je le dis. Mais voilà. Bon, le PC m'a coûté 1200€, hein, je le dis cash. Mais je suis pas déçu là. Là, il est très beau. Ah, j'ai oublié un truc. Mais oui, c'est le petit papier, j'aime. Le petit papier qui recouvre le PC. Attention. En vrai, j'espère pas que c'était... Je crois que c'est pour éviter les trucs avec les doigts, mais voilà. Hop. Pour le dans la poubelle direct. Vous voulez de l'ASMR? Non, je rigole, j'arrête tout de suite. Encore dans la poubelle. Bon, bref. Alors, ce qui compose mon PC... Alors déjà, je vais commencer, c'est par le processeur. Alors, dedans, dans ce PC, le processeur, c'est une AMD, AM4, AMD Ryzen 7. Voilà, après je pense que je vais pas dire la suite. C'est une Ryzen 7, voilà. La carte mère, c'est une MSI. Une MSI B450 Gaming Plus Max. Voilà, donc déjà je suis un papy en train de dire. Ensuite, pour la carte graphique, j'ai pris malheureusement pas une RTX. Parce que, j'ai une anecdote, c'est que, voyez-vous, quand j'ai voulu acheter mon magnifique PC, et bah, au début, le gars ne m'a pas mis, c'était le processeur. Et moi je ne le savais pas, parce que moi je suis une grenouille pour les ordinateurs, tout ça. Voilà, et bah, j'avais vu que 1200€ sans processeur. Mais un processeur, ça coûte combien? Bon. Oh, c'est pas donné tout ça. 300€. C'est bon, 300€. Et c'est que le pire, y a, normalement de base je devais avoir dedans, c'était une RTX. Ah oui, pour jouer à Minecraft comme ça. Ça fait pas rêver franchement. Et moi là, je peux pas avec la RTX parce que là-dedans, j'en ai pas. Et combien ça coûte une RTX? 500€. Ah bah y'a pas de problème, avant je peux me l'acheter. Hein. Mais quand il m'a dit qu'il y avait pas le processeur... Alors du coup maintenant je l'ai rajouté le processeur. Et quand j'ai vu le prix, je vous le montre juste là mais pas avec la fiche. Dans ma tête ça fait ça. Ouais du coup
voilà. Le petit bémol, c'est que du coup, je n'ai pas pu prendre de RTX. Et la carte graphique que j'ai pris, c'est une Gigabyte GTX 1660S. Voilà, pour être plus précis. Mini, voilà. Après, le boîtier d'alimentation, c'est un Corsair. Voilà, un de fou à ce niveau-là. Et le boîtier, là, cette fois-ci, encore d'alimentation, on a un autre. Franchement, j'y connais rien. Je lis tout. C'est ce qu'il y a sur ma feuille, voyons donc. Et bah, c'est un BT Fortron FSP. FSP, ouais. Après, c'est sur Windows, Windows 10. Le disque dur, il y a 240 Go. Pas mal de place déjà. Deux barrettes, pardon. Non, ouais, là, il y a deux barrettes de mémoire vive. 8 Go. Enfin, j'en sais rien, quoi. Bah, de toute façon, vous savez quoi, je vais pas vous faire patienter avec ma présentation de ce PC au niveau des composants, parce que tout sera en description de toute façon si vous êtes intéressé. Voilà. Juste maintenant, je vais passer à une phase qui est très importante pour moi et à la fois pour vous. C'est que je vais remercier tous les donateurs qui m'ont fait des dons. Du coup, voilà, je tenais vraiment beaucoup à vous remercier, parce que c'est grâce à vous, à ceux qui regardent mes vidéos, tout ça sur YouTube, etc. C'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Je vous remercie encore de me suivre sur YouTube, tout ça. Ouais, je fais pas le mec qui pisse dans des violons, mais c'est bien vrai. Je vous remercie beaucoup, parce que ça fait quand même 3 ans que je suis sur YouTube et que je galère pas mal, que ce soit au niveau du montage, etc. Même si c'est vrai que je me débrouille bien, et je remercie certains à ceux qui me disent ça souvent. Mais là, je pourrais passer maintenant sur du truc comme ça, et c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, j'ai pas trop grand chose à rajouter, juste merci beaucoup aux donateurs de la chaîne, vraiment merci, parce que vous avez fait au moins 35-40% du prix total du PC Gamer. Franchement, je vous remercie. Je saurais pas quoi vous dire de plus. Juste, bien sûr, je vais dire vos pseudos, parce que je ne suis pas un enculé. Voilà. Du coup, transition trop cool, j'en sais rien. Enfin, t'as compris, ouais, je plagie pas Madiba. Mais bref, t'as compris, je fais une transition. Je vais juste aller voir les pseudos pour tous vous les dire. Et puis, vous remercier tous. Voilà. A tout de suite. Aïe aïe aïe. Il savait que là, j'ai pas coupé la vidéo. Mais je suis en train de brancher ma play. 5 minutes later. Du coup, ça y est, j'ai réussi à allumer ma play. Ouais. Minecraft, incroyable. C'est vrai que c'est pas tous les jours que je filme de cette façon. Bon alors, du coup, les personnes qui m'ont fait des dons, qui m'ont aidé énormément sur le PC, pour le PC. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais commencer par les plus petits dons qui m'ont été faits. Vraiment, je vais dire tous les donateurs, juste pour la remercier. Et du coup voilà, vraiment ceux qui m'ont fait des dons, tout ça en live, etc. Et puis voilà. Juste, je coupe cette vidéo pour vous dire qu'en fait, c'est tout à fait normal si je me filme là avec le fond vert, le micro d'ailleurs, un tout nouveau micro. Alors merci, bah oui, parce que c'est grâce aussi aux donateurs, je tiens à le dire. Je coupe juste là pour vous dire qu'en fait, il y a juste deux personnes que j'ai entre guillemets oublié de dire, mais pas vraiment. C'est pour un abonné qui m'a fait des dons environ maintenant, bah du coup 17 € je crois, mes souvenirs. C'est Trax qui m'avait fait 2 € de dons sur mon dernier live. Bon là actuellement je suis en train de tourner cette vidéo. On est le 1er janvier 2020, voilà. J'avais commencé à monter cette vidéo en 2019, donc on est en 2020. Enfin bref. Juste, voilà, j'avais juste oublié de préciser ça. Et de plus aussi, le nouveau sponsor qui est à la chaîne, qui est sur la chaîne YouTube, le tout premier, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part du micro. Est-ce que ça marche très bien? Est-ce que le son est cool? Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Alors, du coup, pour commencer, je remercie Sam Béraud. Enfin, j'espère que déjà vous vous appelez encore comme ça avec vos pseudos, ce que j'ai prononcé, mais normalement vous devrez vous reconnaître. Encore merci à Sam Béraud pour son don de 1 €. Pro Games, un don de 2,29 €. Toxic qui n'est pas un français, mais à mon avis, je pense qu'il a complètement oublié la chaîne. Mais je crois que c'était un anglais ou un russe, je sais plus. Il s'appelle Chioka. Ouais, il a fait un don de 2 €. Menihack66, un don de 3 €. Merci à toi, The Mad Square, pour ton don de 2 €. T'inquiète pas, je t'oublie pas ton nom. Merci à Vitality Kowi, un don de 1 €. Merci à Maxcraft tiré du bas 0511 pour un don de 1 €. Et merci à, il n'y a pas très longtemps celui-là, il est tout récent, c'est à Mac Raccoon Neko Sam FR pour son don de 2 €. Et maintenant encore merci aussi à Titi 57 petit pour son don de 4,49 €. Ensuite à Waka pour son don de 7 €. Ensuite à Alex 007, celui-là aussi il est très récent et merci beaucoup parce que c'est un don de 5,49 €. Et là maintenant on va passer à un level assez supérieur au niveau des dons, enfin environ dans les 10 € à peu près. Merci à toi du coup Drake 99 Craft pour ton don de 13,74 €.
euros. Merci à toi aussi pour ton don au total de 15 euros, Trax. Merci beaucoup. Tu m'as vraiment plutôt bien aidé pour le PC Gamer. Je te remercie beaucoup. J'espère que franchement, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se reconnaîtront et qu'ils ont fait des dons, tout ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire. Dans l'espace commentaire tout simplement. Merci aussi à Vic, d'ailleurs j'espère qu'il sera là sur cette vidéo, pour son don au total de 12 euros. Merci, alors celui-là c'est le deuxième plus gros donateur et c'est un youtubeur de près je crois 31 000 abonnés, je sais plus à peu près. Mais merci beaucoup, il m'avait fait ça en un seul live. C'est 35 euros, vraiment merci beaucoup à toi. C'est I Can See, merci beaucoup à toi, ça fait très plaisir. Et le plus gros donateur de la chaîne, The Next Hero, pour un total de 57 euros, merci beaucoup. Bah ouais, du coup voilà, j'ai pas trop chose à vous dire à part juste un grand merci. De toute façon, toutes les informations en rapport avec le PC, compose mon PC, les composants, tout sera dans la description. Encore merci énormément, ça fait chaud au cœur. Je dis peut-être pas assez, mais je le dis en tout cas, je sais beaucoup. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Sans YouTube, sans ma chaîne YouTube, je pense que j'aurais jamais réussi à avoir ça. Merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Juste petit point, pour ceux qui se demandent la question, est-ce que tu vas partir définitivement sur PC? Je pense bien, mais il y a un mais, c'est que parfois je ferai quand même mon retour aux sources, c'est-à-dire sur Minecraft PS4. Voilà. Du coup, merci beaucoup. Encore merci beaucoup de me suivre depuis mes débuts. C'est chaud au cœur, ça fait plaisir. Du coup, moi je pense que je vais vous laisser là. Encore merci beaucoup. C'était Emile, mais à la prochaine. Voilà. Ciao. Et portez-vous bien. Allez, bye bye. Ciao.